Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre un petit message avec l'oracle chamanique. On va prendre une carte, un message pour tout de suite maintenant. Alors bien sûr c'est du général, vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter. On va le découvrir ensemble. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et on y va. Alors, donc une carte de ce magnifique oracle. Une carte, un message. Allez, c'est parti. On y va. Alors, un petit message à transmettre à toutes les personnes qui verront cette vidéo, cette guidance. Voilà, je vais pas vraiment faire. Alors. Petit message, ça veut pas, hein, ça veut pas tomber. Oh non, 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 j'en ai trop. Allez, alors un petit message à transmettre, une carte. Bon, je vais aller la chercher. Parce que là, ça ne vaudra pas. Oh, pardon. Alors, c'est celle-ci. Alors, on vous parle de construire. C'est la carte construire. Carte 11. Donc, je vais vous transmettre donc le message associé. Alors, je vous l'approche un petit peu pour que vous puissiez prendre toute son énergie. Voilà, ici. Oh! Comme toujours, le petit chevalet qui ne veut pas tenir, hein, comme toujours. Voilà, là ça tient. Attendez, j'essaye de bien le mettre au milieu. Alors. Donc, la carte 11. Alors, ça vous parle de réaliser un projet. Vous êtes peut-être actuellement en train de réaliser un projet. Alors, on vous dit que construire, c'est le jeu de l'existence. Alors, préparez-vous vraiment à donner naissance à votre rêve. Pour moi, vous allez vraiment donner le jour à votre rêve. Soyez bien en action. On parle d'une réalisation vraiment très vibrante, d'un projet de vie pour vous. Alors, on vous rappelle que le castor est un constructeur permanent. Il s'efforce de bâtir son merveilleux terrier. Donc là, vous êtes actuellement en train de bâtir votre merveilleux terrier. Et il s'efforce à le bâtir. Donc vous y mettez de la force, vous vous efforcez. Voilà. Donc vous êtes actuellement en train de bâtir pour moi un merveilleux terrier, tout comme ce castor. Et c'est vraiment en fait pour le rendre, ce projet, ce terrier, c'est pour le rendre accueillant. Et sûr aussi pour votre famille, avec laquelle vous vivez, en collaboration. Alors, le castor, il supervise. Donc là, vous êtes peut-être en train de, actuellement, comme le castor, de superviser votre construction de votre projet. Et vous êtes pour moi toujours prêt, en fait, à réparer le plus petit effondrement. Et vous êtes un excellent travailleur, patient, mais aussi persévérant, ingénieux, mais aussi habile.
Pour moi, vous avez conçu, vous êtes actuellement en train de concevoir et en train de réaliser votre projet de vie. Et pour moi, vous émettez un engagement tenace. Et en même temps, en fait, vous prenez vraiment soin de votre petite famille, de votre petite colonie. Vous êtes stable et prudent aussi. Vous avez énormément de force dans les actions, dans tout ce que vous en prenez. Pour moi, là, votre projet, en fait, il peut être au stade de l'embryon, dans votre ventre, dans le ventre maternel, dans votre ventre, au plus profond de votre âme, de vos tripes aussi. Et il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous à naître. Pour moi, ça peut être quelque chose qui est en cours. Et pour moi, dans le futur, vous aurez vraiment un potentiel sans limite. Alors, j'ai d'autres messages aussi pour vous. Alors, le castor qui se prépare, donc tout comme le castor, en fait, vous vous préparez peut-être à naître. Vous préparez peut-être à faire naître en fait la naissance de votre rêve. Ça peut être une créature, votre rêve en fait peut être encore une créature encore en gestation. Peut-être que vous avez besoin d'être écouté, compris, mais aussi peut-être soigné et nourri. Vous désirez au plus profond de vous en fait ce rêve. De le comprendre peut-être aussi. En tout cas, vous le portez peut-être en votre sein pour le faire naître. J'ai comme conseil, en fait, il faut vraiment que vous participiez à la naissance de votre projet. Il faut aussi que vous vous occupiez attentivement en fait de lui, de ce projet. Alors, on parle d'une belle construction de projet, de potentiel aussi. Donc, continuez vos actions, votre engagement, votre persévérance, votre patience aussi, votre ingéniosité, vos compétences. Vous avez pour moi énormément de compétences. On parle de travail, d'intelligence, de prendre soin de vous, de votre famille aussi, d'être dans l'équilibre. Ça me parle de collaboration, de maison et de soins. Donc c'est peut-être lié à un projet aussi dans une maison. Peut-être que vous faites un projet chez vous, lié à du soin. On peut parler aussi peut-être d'une arrivée d'une collaboration dans votre maison, liée à des soins. Pour moi, ce sera aussi, je vois, une collaboration ingénieuse. Dans cette collaboration que vous allez peut-être faire, il y aura de l'ingéniosité et des compétences. Et pour moi, vous allez prendre soin d'autrui. Ça peut être aussi prendre soin des familles. Continuez dans votre persévérance. Continuez aussi d'être dans la patience. C'est en pleine construction. Ça va aboutir sur peut-être de nombreux projets. Je vois un énorme potentiel. Voilà pour le premier petit message. Bien. Alors, on continue. On va prendre un message. Avec un message de vos anges. Tout de suite maintenant, quel est le petit message que vous avez à recevoir? Oh, ça a sauté. Alors, c'est l'ange Astara qui a un message pour vous. Alors, on vous dit que vous méritez vraiment ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits aussi. Et ne faites pas de compromis.
Peut-être que par le passé, en fait, vous vous êtes contenté de peu. Mais l'ange Instara vient vraiment vous... vient à vous pour vraiment vous aider à améliorer votre quotidien. Et vient aussi, l'ange Instara vient aussi à vous. Vraiment pour vous prouver en fait que vous n'avez aucune raison de souffrir. Vouloir une vie meilleure n'est pas du tout égoïste. Plus vous recevez, plus vous pouvez donner aux autres. Lorsque vous acceptez nos offrandes, donc lorsque vous acceptez en fait les offrandes de l'univers, ils vous fournissent en même temps en fait les outils nécessaires pour accomplir le but de votre vie. On vous recommande de montrer aux autres. Montrez aux autres que vous pouvez trouver en fait le soutien, tout le soutien dont vous avez besoin par la voie spirituelle. Donc vous pouvez vraiment trouver en fait tout le soutien dont vous avez besoin par la voie spirituelle. Et on vous dit en fait que en faisant tout cela, en fait, ça va vraiment inspirer les personnes. Alors, Dieu et ses anges veulent que vous profitiez de votre vie. On vous dit que le bonheur est une partie sacrée de votre mission divine. Quoi que nous puissions faire pour apporter joie et paix dans votre vie, n'hésitez pas à nous le demander. Peut-être que vous n'osez pas, en fait. Peut-être que vous n'osez pas demander. Peut-être avez-vous le sentiment que vous ne le méritez pas ou que vous prenez la part de quelqu'un d'autre. Pourtant, on vous dit que Dieu ne connaît que l'abondance. Donc Dieu, l'univers tout entier, en fait, ne connaît que l'abondance. Mais par contre, les hommes peuvent être les seuls en fait à croire en la rareté. Donc là, peut-être qu'il y a, voilà, peut-être qu'il y a des hommes, des personnes qui croient qui ne croient pas à la, enfin, à tout ce qui peut être dans la rareté. Alors, cette carte vous rappelle que Dieu et ses anges ne peuvent intervenir que si vous demandez leur aide. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Bien, bien, bien. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort, prenez bien bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos, guidances, messages et tout et tout et tout. À bientôt!